Dans cet hôtel prestigieux de Hong Kong, de nombreux clients se présentent à la réception en cette veille de week-end. Ils sont loin de se douter que l'un d'eux est accompagné d'un redoutable tueur. Le professeur Liu Jianlun, 64 ans, est médecin. Originaire du sud de la Chine, il vient assister au mariage de sa nièce. Liu Jianlun se sent un peu grippé. Il ignore encore qu'il est en fait victime d'un virus inconnu. Dans les 48 heures qui viennent, il va contaminer à son insu pas moins de 17 clients de l'hôtel et leur transmettre une mystérieuse maladie mortelle, mettant ainsi le monde entier en état d'alerte. Avant son départ, le médecin a traité des patients atteints de pneumopathie fébrile et s'est fait contaminer. Trois semaines plus tard, le virus qu'il a ainsi contracté sera baptisé SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Ces quelques instants passés dans l'ascenseur de l'hôtel vont déclencher une épidémie mondiale. Johnny Chen est un Américain en voyage d'affaires. À la tête d'une entreprise de textile, il fait une brève escale à Hong Kong avant de gagner Hanoï, au Vietnam. Quan Sui Chu est canadienne. Elle est venue rendre visite à sa famille et repart dans 2 jours pour Toronto. La moitié des cas de SRAS recensés dans le monde étaient liés, d'un point de vue épidémiologique, à ce médecin chinois. Nous sommes agressés en permanence. Tous les jours, du matin au soir et même la nuit, des virus tentent de s'introduire dans notre organisme. Et ils sont bien plus nombreux que les virus d'Internet qui attaquent les ordinateurs. Il faut s'attendre à tout. Il y a tellement de virus en circulation qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Qu'il s'agisse de bactéries, de parasites, de vers, d'êtres humains, d'animaux ou encore de plantes, toutes les formes de vie qui peuplent la Terre sont infectées par des virus. Et à chaque espèce correspond au moins un virus spécifique susceptible de l'attaquer. Ce qui veut dire que les virus sont par définition les formes de vie les plus diversifiées de notre planète. L'homme a toujours été la cible de virus parfois mortels. Mais cela fait moins d'un siècle qu'il est capable de les observer au microscope électronique. Selon le prix Nobel Joshua Lederberg, seuls les virus sont capables de remettre en cause la domination de la planète par l'homme. Ils ont besoin de se nourrir et pour eux, nous sommes juste un morceau de viande. Nous savons aujourd'hui à quoi ressemblent les agents pathogènes de la polio, du sida, de la dengue, de la rougeole, de l'ébola, du SRAS ou de la grippe aviaire. Mais seule une partie infime de ces virus peut être combattue grâce à des vaccins. Au XXe siècle, les infections virales ont fait davantage de victimes dans le monde que toutes les guerres réunies. Pour mieux connaître ces virus, il faut étudier minutieusement dans des laboratoires de haute sécurité les molécules qui les composent. Les virus sont programmés pour accomplir une mission unique, s'introduire dans les cellules des organismes vivants. C'est pour eux l'unique moyen de se multiplier. S'ils sèment la maladie et la mort sur leur passage, il ne faut y voir, de leur point de vue, qu'un regrettable effet secondaire. Le virus Ebola est mortel pour 80 à 90% des personnes qu'il contamine. Mais ce n'est pas une stratégie très judicieuse. En tuant rapidement ses hôtes, le virus stoppe de lui-même sa propagation. À l'inverse, le VIH est un virus qui subsiste longtemps dans l'organisme. Il met donc toutes les chances de son côté pour s'installer durablement parmi les humains. Au fil des siècles, les maladies infectieuses ont rempli les cimetières d'Europe, mais n'ont laissé que peu de traces. Lors de fouilles menées à Berlin, la biologiste moléculaire Barbara Bramanti étudie les rares indices laissés par le bacille de la peste pour comprendre comment certains malades ont survécu à l'épidémie. Dans son laboratoire de l'université de Mayence, la chercheuse italienne a analysé les traces d'ADN retrouvées sur des centaines de dents et d'os provenant de victimes de la peste. Le point de départ de ces recherches a été la découverte d'un défaut génétique, une minuscule mutation survenue il y a plusieurs siècles dans le génome des Européens. Cette mutation a eu pour effet de bloquer le CCR5,
un récepteur situé à la surface des cellules immunitaires, fermant ainsi une importante voie d'accès au virus. Ce phénomène protège également certains individus contre une épidémie contemporaine, le sida. 1% des Européens du Nord sont ainsi résistants au VIH. Est-ce une conséquence de la peste ou d'une autre épidémie dramatique qui aurait ravagé le continent ? La protéine CCR5 est une porte d'entrée pour le virus du VIH, mais aussi probablement pour d'autres germes pathogènes. Parmi eux, je pense qu'il y a le bacille Yersinia pestis. Une mutation survenue à l'intérieur de cette protéine rend cette porte pratiquement infranchissable pour les micro-organismes, c'est-à-dire les virus. Une autre théorie me semble assez plausible, bien qu'elle n'ait pas encore été approfondie. Peut-être y a-t-il eu dans le passé une autre épidémie, due à un virus proche du VIH. De ce fait, une partie de la population aurait subi cette mutation et serait désormais protégée. Au 9e étage de l'hôtel Métropole, trois hôtesses de l'air venues de Singapour partent faire les magasins. Elle s'apprête à partager l'ascenseur avec le professeur Liu, tout comme cet employé de l'aéroport de Hong Kong. Liu Jianlun, lui, a hâte de se reposer. Sa toux sèche ne cesse d'empirer. Chacune de ces quintes projette des particules chargées du virus du SRAS dans la cabine de l'ascenseur. Comme tous les virus, celui-ci ne possède pas de métabolisme. Il doit parasiter une cellule vivante pour se répliquer. Sans cela, il n'est pas plus actif qu'un grain de poussière. Il est donc sans cesse en quête de nouvelles victimes qui lui fourniront les cellules nécessaires à sa prolifération. N'est-ce pas fascinant? Cette petite chose est invisible à l'œil nu et son code génétique est tellement limité qu'elle ne peut pas survivre de façon autonome. Il lui faut une cellule vivante et malgré ses faiblesses, elle parvient à nous mettre en difficulté. Albert Osterhaus est un virologiste réputé. Comme bon nombre de ses confrères, il pense qu'un virus grippal ayant subi une mutation pourrait faire, dans un avenir proche, des millions de victimes. Et si un vaccin était mis au point, ce qui n'est pas certain, il ne serait accessible qu'à une petite partie de l'humanité. La surpopulation et les déplacements internationaux contribueraient à la diffusion de la maladie et précipiteraient l'hécatombe. Pour un agent infectieux, par exemple un virus, un lieu surpeuplé offre 1000 possibilités de décimer la population. C'est un mécanisme naturel. Si le nombre d'habitants de notre planète continue d'augmenter au même rythme, les maladies infectieuses, et notamment virales, auront de plus en plus d'occasions de s'en prendre à l'homme. Retour à l'hôtel Métropole. Le professeur Liu laisse sur son passage des millions de germes qui se logent partout, sur les boutons de l'ascenseur, sur les parois et les rampes. Un virus peut survivre jusqu'à 6 jours en attendant de trouver un nouvel hôte. Je peux vous aider ? Les gouttelettes expectorées transportent des particules virales dans les voies respiratoires de Johnny Chen. Les virus possèdent une sorte de crochet d'abordage constitué de protéines qui leur permet de s'amarrer à certaines cellules. Comme des pirates microscopiques, ils partent à l'assaut des voies respiratoires de l'homme d'affaires. Leur mission est toujours la même, se répliquer afin d'assurer leur propagation. Ainsi, ils prennent le contrôle d'une cellule et l'obligent à produire à la chaîne des copies du virus jusqu'à ce qu'elle meure d'épuisement. Par centaines, ces nouveaux virus traversent ensuite la membrane extérieure de la cellule pour aller attaquer les cellules voisines. Dans 2 jours, on saura si le système immunitaire de Johnny Chen est capable de repousser cette armée de virus du SRAS.
Le professeur Liu a déjà perdu ce combat. Son système immunitaire est en ébullition. Quant aux autres occupants de l'ascenseur, ils sont dès à présent en guerre contre le virus. Avec la plupart de ces virus qui se diffusent rapidement, comme les grippes ou le SRAS, certaines personnes infectées succombent, tandis que d'autres s'en remettent. Et celles qui survivent sont alors immunisées. Elles ne peuvent plus être infectées à nouveau. Ce type de virus a donc constamment besoin de nouvelles victimes, sans quoi il ne fait pas long feu. Le laboratoire de Paul Biennach ressemble à un Jurassic Park pour virus. Cet Anglais, attaché à l'université Rockefeller de New York, a ramené à la vie un virus vieux de plus de 35 millions d'années, qui appartient à la même famille que le VIH, celle des rétrovirus. Lors de la préhistoire, ce virus a infecté les cellules reproductrices de nos lointains ancêtres. Ainsi, il fait désormais partie de notre patrimoine génétique. On sait aujourd'hui que des milliers de rétrovirus ont ainsi laissé leur marque dans le génome humain. Près d'un dixième de notre patrimoine héréditaire est constitué de ces restes d'infections passées. Le rétrovirus, que Paul Biennach a ressuscité, a été éradiqué il y a des millions d'années. Visiblement, nos défenses immunitaires ont été efficaces. Est-ce une piste pour la lutte contre le sida? Après tout, les chimpanzés ont acquis au cours de leur évolution des mécanismes de résistance contre ce virus immunodépresseur. L'étude de l'ADN humain révèle qu'il est constitué pour 8% environ d'anciens rétrovirus. Il suffit d'analyser la séquence de notre ADN pour s'en rendre compte. Et si l'on compare l'ADN rétroviral de l'homme à celui du chimpanzé, on constate qu'ils sont pratiquement identiques. Si un rétrovirus s'est inséré dans l'ADN humain, on risque fort de le retrouver dans celui du chimpanzé. Ce qui est inscrit dans votre ADN, vous le transmettez à vos enfants. Ainsi, la signature de ce virus précis se retrouvera dans leurs gènes. Rassemblant ses dernières forces, Liu Jianlun a réussi à se rendre à la soirée à laquelle il était invité. Mais le lendemain, son état s'aggrave brutalement et il est transporté à l'hôpital Ponghua. Pour l'instant, on ne soupçonne qu'une pneumopathie. Il n'a pourtant plus que 10 jours à vivre. Quatre jours après avoir croisé la route du professeur Liu, les trois hôtesses de l'air quittent Singapour. Après ce vol, elles contamineront une douzaine d'infirmières et de médecins. Quelques jours plus tard, l'un d'eux se rendra à son tour à Francfort, en Allemagne. Six jours après avoir emprunté l'ascenseur de l'hôtel Métropole, Quan Switchu retrouve sa famille à Toronto. Mais le virus du SRAS a fait le voyage avec elle, et elle mourra 24 heures après le professeur Liu. Son fils, sans le savoir, va déclencher une poussée épidémique de SRAS à Toronto, avant de succomber à son tour. Son épouse et leur petit garçon survivront à la maladie. Comme prévu, Johnny Chen a quitté Hong Kong pour se rendre au Vietnam. Gravement malade, il appelle les urgences. À l'hôpital français de Hanoï, il contaminera 20 personnes supplémentaires avant que l'on ne fasse appel à l'Organisation mondiale de la santé. D'un point de vue mathématique, le SRAS présente un taux de reproduction de base de 3,6 environ. C'est à peu près 3 fois moins que le virus de la grippe classique et 10 fois moins que la varicelle. Ce taux de base signifie la chose suivante. Un patient contaminé qui se situe dans la moyenne va transmettre le SRAS à 3,6 personnes. 3,6 Leute. SARS ist much more, let's say, wimpy
Le SRAS est beaucoup moins dynamique que la grippe. Un virus classique de la grippe humaine, qu'il soit saisonnier ou pandémique, se diffuse très tôt et très rapidement d'homme à homme. Avant même que les symptômes graves apparaissent, le virus a déjà été excrété et s'est propagé à d'autres personnes. Avec le SRAS, nous avons eu de la chance, car il met 3 ou 4 jours à se transmettre. Doté d'un budget annuel de 5 milliards d'euros, le CDC, Centre épidémiologique d'Atlanta, est le centre névralgique de la lutte contre les épidémies aux États-Unis. Dès qu'une région du monde est touchée par une épidémie naissante, le CDC et son organisation paramilitaire peuvent envoyer des équipes sur place si les pays concernés en font la demande. Les experts d'Atlanta sont considérés comme les chasseurs de virus les mieux armés du monde. Le CDC se prépare par des exercices réguliers au pire des scénarios catastrophes, une épidémie de grippe aviaire aux États-Unis. Car le SRAS n'était peut-être qu'une répétition générale. La véritable épreuve reste probablement devant nous. Pour les experts, la question n'est plus de savoir si une nouvelle pandémie mortelle de grippe va ou non se produire, mais plutôt quand elle va se déclencher. Dans l'un des scénarios élaborés par le CDC, l'épidémie a déjà fait 400 morts une semaine après son apparition. Et ce n'est pas tout. Dans notre simulation, nous sommes arrivés à une situation dans laquelle 10% des personnes contaminées succombent. C'est plus que ce que nous avions imaginé. Mais nous devons pouvoir relever ce défi, car nous risquons d'être confrontés à un virus facilement transmissible, dont le taux de mortalité serait de cet ordre. Quittons l'anticipation pour remonter le temps. En septembre 1918, alors que la Première Guerre mondiale touche à sa fin, un nouvel ennemi fait son apparition. La grippe espagnole se répand comme une traînée de poudre à travers les camps militaires surpeuplés. Dans les hôpitaux de fortune, médecins et infirmières se sentent impuissants face à l'hécatombe. À la base militaire de Camp Devens, près de Boston, près de 12 000 soldats sont déjà touchés. On recense jusqu'à 63 morts en une journée. Au cours des 2 années qui suivront, la grippe fera 50 millions de victimes, soit 2,5 fois les pertes dues à la guerre qui s'achève. Les soldats ont donné un surnom à la maladie, Purple Death, la mort pourpre, en raison de la coloration violacée du visage des victimes en manque d'oxygène. Quelques jours après l'apparition des premiers symptômes, les malades sont atteints d'une forte fièvre et suffoquent, comme s'ils se noyaient. Le virus détruit en effet les tissus pulmonaires, souvent en moins de 3 jours. À l'époque, les médecins ignorent qu'il s'agit d'un virus de grippe aviaire ayant subi une mutation. Il est aujourd'hui appelé H1N1, du nom des protéines H et N qui hérissent sa surface. C'est justement la protéine H qui en fait un virus redoutable, car elle lui permet d'accéder aux cellules des alvéoles pulmonaires, où il fait des ravages. Là, il réplique son patrimoine génétique à des millions d'exemplaires. Sa structure, constituée de 8 segments d'acide ribonucléique, ou ARN, augmente le risque d'erreur de copie, elle-même source de mutation. Si l'on considère les 3 pandémies survenues au XXe siècle, celle de 1918-1919 a marqué l'apparition du virus H1N1. Les recherches suggèrent qu'il provenait d'une mutation d'un virus aviaire. Dans le cas des grippes de 1957 et de 1968, 2 virus différents ont infecté une même cellule simultanément. Chacun a libéré son matériel génétique. Et les caractéristiques de ces virus se sont trouvées mélangées, un peu comme on distribue des cartes. Ce processus a fait naître un 3e virus capable de se transmettre d'homme à homme. Les mutations génétiques de ce genre sont particulièrement dangereuses lorsque le nouveau virus hybride gagne la capacité de se transmettre d'homme à homme et que la structure chimique de sa coque, son apparence, se trouve modifiée. Car les anticorps du système immunitaire reconnaissent sans peine les virus grippaux classiques et les neutralisent. Mais les nouveaux virus mutants se présentent sous un camouflage et sont insoupçonnables.
Ce n'est qu'au terme d'une douloureuse épreuve que le corps humain peut élaborer un antidote contre ces nouveaux virus. Le virus de la grippe espagnole a fini par être victime de sa propre efficacité. Une fois son carnage accompli, ceux qui ont survécu furent immunisés. Le soldat Harry Hubert Underdown a peut-être été la première victime de l'épidémie. Il repose au cimetière militaire d'Étaples, dans le nord de la France. John Oxford, virologiste anglais réputé, et Douglas Gill, historien, pensent que la grippe espagnole a touché les forces armées dès 1916, soit 2 ans avant l'hécatombe. L'épidémie aurait donc connu ici une sorte de phase d'échauffement, ne faisant dans un premier temps que quelques victimes. C'est dans sa deuxième ou sa troisième saison que le H1N1 aurait muté pour devenir un virus foudroyant. John Oxford redoute que le virus de la grippe aviaire H5N1 ne se trouve dans une situation comparable. En 1917, le docteur Hammond, médecin du camp militaire d'Étaples, avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Mais il avait lui-même sous-estimé l'ampleur de l'épidémie. Ne faisons-nous pas la même erreur aujourd'hui? Face aux craintes qui entourent le H5N1, on me demande souvent combien de victimes a fait le virus? Quelques centaines? Et je réponds, oui, 200. Dès lors, ils pensent qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Puisque la planète compte 6 milliards d'habitants, 200 victimes, ce n'est rien. Mais j'ai envie de leur dire, pensez à la Première Guerre mondiale et à la plus grande épidémie de notre histoire. Retournez en 1918 à Étaples et posez la question au docteur Hammond. Docteur, combien de personnes sont mortes dans votre camp? Il vous répondrait, 145. Si vous lui disiez, vous rendez-vous compte que d'ici 18 mois, ce virus va se transformer et faire 50 millions de victimes? Il rétorquerait certainement, vous êtes fou, retournez au 21e siècle. Douze jours avant le séjour du professeur Liu à l'hôtel Métropole, l'Américain Steve Cunyon, médecin militaire à la retraite et expert en armes biologiques, a reçu un email troublant. Une de ses connaissances a entendu parler d'une épidémie mortelle en Chine, dans un forum de discussion sur Internet. Pourtant, officiellement, il n'y a aucune épidémie en cours dans l'Empire du Milieu. Steve Cunyon transmet immédiatement cette mystérieuse information à Promed, un réseau d'alerte en ligne consacré aux maladies infectieuses. Tout le monde peut y déposer un message pour signaler l'apparition d'une pathologie. Une équipe d'experts étudie ensuite la crédibilité de l'information. Voilà des années que Promed se bat contre le manque de transparence des bureaucraties responsables de la santé publique. Or, c'est le courriel envoyé par Steve qui va sensibiliser le monde entier à cette pneumonie atypique. Et non l'OMS, l'autorité mondiale en charge de la santé. Lorsqu'on enquête sur l'émergence d'une épidémie, la première chose à faire est de remonter à la source de l'information. Or, ni le CDC ni l'OMS ne m'ont posé de questions au sujet du message que j'avais envoyé à Promed. J'en conclus qu'ils étaient déjà au courant, puisqu'ils n'ont pas eu besoin de m'interroger. Les premiers cas de SRAS sont apparus dès l'automne 2002. La pandémie aurait pu être évitée si les gouvernements concernés avaient immédiatement signalé le problème à l'Organisation mondiale de la santé. Le germe était déjà connu, mais on a voulu étouffer l'affaire. L'Organisation mondiale de la santé ne dispose d'aucun moyen juridique pour imposer à un État la présence de ses experts. Avant 2003, lorsqu'une épidémie se déclarait, l'OMS n'avait même pas le droit de rendre l'information publique tant qu'elle n'avait pas été confirmée par le pays concerné. Avec l'épisode du SRAS, ceci a changé. Car le centre de commandement de Genève ne se bat pas seulement contre les virus. Il faut également ménager la susceptibilité des États et respecter leurs intérêts économiques. Pour le commerce et le tourisme, une épidémie est en effet une catastrophe. 24 heures après le message de Steve Cunyon, l'organisation publie un communiqué évoquant 300 cas inexplicables d'affections respiratoires en Chine. Un organe de crise est officiellement créé, mais l'OMS a déjà un temps de retard.
Le virus du SRAS, identifié plusieurs semaines auparavant par des chercheurs chinois, est déjà en train de se propager à travers le monde. Tout cela parce que l'administration chinoise a choisi de garder le silence. La difficulté résidait dans le fait que de nouveaux foyers de SRAS apparaissaient sans cesse. C'était très difficile à gérer, car les exigences posées à l'OMS évoluaient constamment. Il ne s'agissait plus de faire face à un incident isolé. On se demandait plutôt, que se passe-t-il? L'épidémie va-t-elle se propager à toute la planète? Et où va-t-elle frapper demain? À l'ère des avions de ligne, chaque point du globe est accessible en moins de 36 heures, une durée inférieure au temps d'incubation de la plupart des virus. Tokyo n'est qu'à un saut de puce de New York, tout comme Bornéo ou Francfort. À l'heure où l'on compte environ 2,5 milliards de vols par an sur l'ensemble de la planète, les virus peuvent facilement voyager clandestinement dans l'organisme de passagers contaminés, qui ignorent encore qu'ils sont atteints. De plus, les grandes métropoles comme New York offrent aux virus des millions de victimes potentielles dans un espace très réduit. Notre société a connu des changements complexes qui créent de nouvelles opportunités pour les maladies infectieuses. Nos conceptions morales et nos tabous ont évolué. Nous voyageons dans le monde entier et côtoyons énormément de gens. Sans oublier l'urbanisation qui concentre en un même lieu des populations massives. Nous allons nécessairement connaître une nouvelle pandémie, que ce soit la grippe, le SRAS ou une autre maladie. C'est le destin de l'humanité. Il serait imprudent de ma part de le nier. La question est de savoir de quel organisme il s'agira, quand il frappera et quel sera son impact. C'est ça l'inconnu. Et quiconque prétend avoir la réponse est un imbécile. Le docteur Carlo Urbani, du bureau de l'OMS de Hanoï, a été appelé à l'hôpital français. Les infirmières sont très inquiètes. 12 jours après son passage par l'ascenseur de l'hôtel Métropole, Johnny Chen a déjà contaminé une douzaine d'employés de l'hôpital. Je m'appelle Carl Van. Enchanté. C'était le seul représentant de l'OMS sur place à ce moment-là. Il était parasitologue, mais s'y connaissait bien en matière de contrôle des maladies infectieuses. Et il a fait du très bon travail. À mes yeux, le docteur Urbani a été le héros du SRAS pour plusieurs raisons. Il a été le premier à décrire l'épidémiologie de la maladie et ses premiers signes cliniques. De plus, il s'est efforcé de cantonner l'épidémie à Hanoï. Ce jour-là, Carlo Urbani examine Johnny Chen ainsi que les autres patients présentant les mêmes symptômes. Le médecin italien croit encore à une simple infection grippale. Le docteur Urbani a-t-il conscience de prélever chez l'homme d'affaires les premiers échantillons d'un virus inconnu? En 1999, Carlo Urbani faisait partie de la délégation de Médecins sans frontières venue recevoir le prix Nobel de la paix à Stockholm. Il avait alors souligné que tout médecin avait le devoir de rester aux côtés de ses patients. L'organisme de Johnny Chen s'efforce désespérément de combattre ce virus inconnu par une forte fièvre. Mais le fonctionnement de ses échanges respiratoires est déjà gravement atteint, car les cellules de ses alvéoles pulmonaires comptent parmi les cibles privilégiées du virus du SRAS. Dans ses poumons, le travail destructeur du virus a déjà commencé. Au cours des jours qui viennent, des millions de répliques du SRAS vont détruire les parois des alvéoles pulmonaires. Il faudra attendre plusieurs mois avant que les chercheurs ne comprennent le mode opératoire de la maladie. La clé est une protéine, plus précisément une enzyme nommée ACE2, localisée dans les épines qui hérissent l'enveloppe du virus. Elle ouvre une serrure chimique à la surface de chaque cellule pulmonaire. En règle générale, les virus de ce type, les coronavirus, sont repoussés et se contentent de provoquer un bon refroidissement. Mais le virus du SRAS, lui, réussit à se frayer un chemin à l'intérieur des poumons
pour y produire des myriades de copies de son propre code génétique. Le liquide, produit par l'organisme pour atténuer l'inflammation des tissus pulmonaires, finit par inonder les poumons. Sur les premières radios, Carlo Urbani ne peut pas encore distinguer les dégâts survenus dans les poumons de son patient. Malgré ses efforts, Johnny Chen mourra 10 jours plus tard. Tu es sûr que ce sont les poumons de lui? La destruction des cellules des alvéoles pulmonaires est très grave. D'une part parce que les échanges de dioxyde de carbone et d'oxygène ne peuvent plus se faire normalement, et d'autre part parce que les poumons se remplissent de liquide. Très inquiet, Carlo Urbani instaure des mesures d'hygiène et de quarantaine, avant tout pour protéger le personnel soignant. 6 jours durant, il examine les patients et va réussir à briser la loi du silence qui pèse sur cette nouvelle maladie. Mais lorsqu'il parle de son travail à son épouse Giuliana, celle-ci ne cache pas son inquiétude. Carlo, je suis très inquiète. La contagion est trop rapide. Tu dois aussi penser à toi, à nous et à tes 3 enfants. Je pense à toi et aux enfants. Mais les patients ont aussi des parents et des enfants. À plus tard. Hi Kevin. Allô Kevin, c'est Carlo. Mes infirmières sont dans tous leurs états. C'est la pagaille, tout le monde a peur. J'ignore ce que c'est, mais ce n'est pas une grippe. Tu peux appeler Pascal et alerte Genève aussi. Nous avons appris énormément de choses. Je fais souvent un parallèle avec le football. Avant, on jouait en championnat amateur et on se débrouillait bien. Mais soudain, on nous a catapultés en première division. Les exigences et les attentes à notre égard ont connu une croissance exponentielle. Nous avons réussi à faire face, mais nous sommes souvent passés tout près d'une implosion du système. John Oxford, du Royal Hospital de Londres, étudie depuis de nombreuses années les archives concernant l'épidémie de grippe de 1918. Des chercheurs américains ont décrypté le code génétique du H1N1 et réussi à reproduire en laboratoire le virus de l'époque. Pour ce faire, ils ont greffé la protéine H sur une grippe saisonnière tout à fait classique. Résultat, un virus redoutable. John Oxford sait que ce phénomène, reconstitué en laboratoire, peut à tout moment se produire naturellement, comme au temps de la grippe espagnole. La grippe aviaire de 1918, comme le SRAS, attaquait les régions profondes des poumons. Mais elle était nettement plus contagieuse. Il a été relativement facile de venir à bout du SRAS. Il a suffi de prendre des mesures de base. La quarantaine, le maintien d'une certaine distance entre les individus, des mesures d'hygiène. Mais une grippe ne se laisserait jamais enrayer par ce genre de mesures. Jamais. Imaginons que le virus du SRAS soit devenu transmissible avant l'apparition des symptômes chez le patient. On se serait trouvé face à un problème considérable. Et à côté du SRAS, la grippe aurait eu l'air d'un enfant de cœur. Au siège du CDC d'Atlanta, le personnel est en état d'alerte. Tim Uyeki, spécialiste de la grippe, s'apprête à partir pour Hanoï, où il va seconder le docteur Urbani. Des questions essentielles restent sans réponse. Quels masques faciaux faut-il emporter ? Des médicaments contre la grippe peuvent-ils venir à bout de cette épidémie inconnue ? Depuis plusieurs jours, Tim Uyeki est en contact avec Carlo Urbani. Mais un événement inattendu se produit. Je suis arrivé à Hanoï le 11 mars 2003 au soir. C'est le jour où le docteur Urbani a commencé à avoir de la fièvre. Malgré tout, Carlo Urbani s'est rendu à Bangkok pour participer à un congrès. Mais à peine arrivé à l'aéroport, il est transporté à l'hôpital. Il sait qu'il a sans doute été contaminé par le mystérieux virus.
Quatre jours plus tard, l'aéroport de Francfort voit atterrir le vol SQ-25 en provenance de New York. Parmi les passagers se trouve Onam Long, un médecin singapourien qui a participé à un congrès aux États-Unis et est tombé malade outre-Atlantique. Au moment de monter dans l'avion, il a téléphoné à un confrère qui a à son tour alerté l'OMS. À Francfort, une ambulance spécialisée dans le transport de patients infectieux l'attend déjà. À la tête des opérations, René Gottschalk place les 250 passagers de l'avion en quarantaine et fait transporter le malade dans une clinique. À Singapour, Onam Long a traité des cas suspects d'inflammation pulmonaire. Parmi ses patients, Esther Mok, l'une des trois hôtesses de l'air contaminées à l'hôtel Métropole. Elle a déjà quitté l'unité de soins intensifs, mais a transmis l'agent pathogène à son médecin. Le virus venu d'Asie arrive donc en Europe après un crochet par les États-Unis. Des prélèvements sont immédiatement envoyés aux laboratoires de Marbourg et de Hambourg. Le même jour, pour la première fois de son histoire, l'OMS déclenche une alerte à l'échelle mondiale. Les médecins de Francfort parviendront à sauver le docteur Long, repoussant ainsi l'épidémie de SRAS en Allemagne. Le SRAS de cette époque nous suffisait amplement. Le germe était capable de se transmettre d'un seul patient à 170 personnes. C'était un super contaminateur très dangereux, avec un taux de mortalité dépassant 10%. Les prélèvements de sang et de tissus des malades parviennent quasi simultanément aux 13 laboratoires de haute sécurité de la planète. Notamment chez Stefan Becker à Marbourg, Christian Drosten à Hambourg et Albert Osterhaus à Rotterdam. Au prix d'un véritable marathon téléphonique, l'OMS a réussi à convaincre ces laboratoires réputés de renoncer à la gloire individuelle et d'unir leurs forces pour démasquer l'agent pathogène du SRAS. Car seul un test de dépistage du SRAS peut permettre de différencier la maladie d'un simple refroidissement, et ce, dès les premiers symptômes. Dans cet environnement hautement sécurisé, le virus est observé pour la première fois au microscope électronique, et son code génétique est décrypté. Plus tard, les chercheurs découvriront l'origine du virus du SRAS. Il provient de la chauve-souris. Puis se serait transmis à la civette, un mammifère carnivore qui est aussi une spécialité culinaire dans le sud de la Chine. Et c'est ainsi que le virus serait passé de l'animal à l'homme, mettant en émoi les virologistes du monde entier. Il s'est écoulé exactement une semaine entre le premier prélèvement mis en culture à Francfort et l'identification du virus ici, à Hambourg. Or, la culture cellulaire s'est mise à évoluer au bout de 4 jours, ce qui est extrêmement rapide. Je crois que c'est un cas unique dans l'histoire. Voir apparaître une nouvelle maladie infectieuse virale et régler le problème en un mois. Si on avait laissé jouer la concurrence entre les laboratoires, cela aurait pris beaucoup plus de temps. On aurait probablement abouti à une pandémie, c'est-à-dire que le virus se serait propagé au monde entier. Dans l'histoire de l'humanité, c'est sans précédent. La maladie a émergé dans la population d'une façon explosive, mais a pu être contenue très rapidement, à l'échelle de l'évolution. Je crois que nous pouvons nous en féliciter. En revanche, nous avons aussi appris que nous étions très vulnérables. Voilà plusieurs jours que Karl Urbani lutte contre la mort dans l'unité d'isolement provisoire mise en place en Thaïlande. Son épouse ne peut lui parler que par un interphone, derrière une vitre. Moi aussi, je t'aime. Et Tommaso, Luca et Maddalena t'aiment aussi. Giuliana. Giuliana. Scusami. Pardonne-moi. Ils m'ont donné de la morphine. Je crois que je vais dormir. Ciao.
bene, dormi. Dormi, tesoro, dormi. 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 Carlo Urbani meurt le samedi 29 mars 2003 à 11h45. À ce jour, il n'existe ni traitement ni vaccin contre ce virus. Les médicaments permettent seulement de maintenir le patient en vie, malgré les dysfonctionnements de ses organes. Or, les poumons sont le principal organe touché par le SRAS. Les patients les plus âgés, notamment, déclinent très vite et finissent par suffoquer. En 2009, un exercice de simulation de grippe aviaire sera organisé à Atlanta. Les spécialistes redoutent par-dessus tout l'émergence d'un virus grippal mutant. Les experts du CDC bloqueront les aéroports et les écoles, organiseront le transport des malades, distribueront des médicaments et assureront l'approvisionnement en vivres ou en cercueils. La logistique ainsi testée pourrait être appliquée à tout type d'alerte, qu'elle soit déclenchée par un virus inconnu ou par une attaque bioterroriste. Dans le scénario envisagé, des personnes contaminées pourraient réussir à passer les frontières sans être repérées par les contrôles sanitaires. Et comme toujours, il s'agira de se battre contre un ennemi invisible. Le monde dans lequel nous vivons est un village. Nous passons la moitié de notre temps à nous déplacer. Quel que soit le foyer d'émergence d'une maladie, elle est à notre porte dans les 24 heures. Dans le second épisode, nous accompagnerons des chercheurs de terrain dans des régions reculées du monde sur les traces de virus inconnus et de leurs porteurs éventuels. Singes, oiseaux et chauves-souris coexistent harmonieusement depuis des milliers d'années avec les virus. Mais pour l'homme, ce sont des tueurs en puissance.